Moi j'aurais bien aimé devenir scénariste de cinéma, mais je pensais que le scénariste n'existait pas, je pensais que c'était le réalisateur qui écrivait tout, donc je me suis dit que je n'ai aucune chance, et j'ai l'impression que la série c'est une meilleure idée, parce que le scénariste, surtout aux États-Unis, a beaucoup plus de pouvoir, fait beaucoup plus de choses et peut développer tout un univers. Lost. Lost parce que euh, c'était euh, un événement. C'était plus qu'une série télé. Un événement autour duquel on se rassemblait toute la famille, les amis. Quand Boone était mort dans la saison 1, il y avait une charge émotionnelle tellement forte qu'on euh, avait fait une minute de silence. J'étais très jeune <laughs> avec mes frères et sœurs le soir autour de la table et euh, ouais, Lost. La persévérance, la, la flexibilité, la capacité d'adaptation et l'esprit d'équipe. C'est une histoire d'amour impossible sur deux époques avec un twist fantastique. Six Feet Under. Je crois que j'ai pleuré tout l'épisode. Ça répondait tellement pleinement à la thématique de la série. Et quand on a suivi ces personnages pendant, je sais plus s'il y avait six ou sept saisons, c'était la fin la plus parfaite que j'ai jamais vue. L'avant-dernier épisode de la saison 1 de Game of Thrones. Quand il décapite le roi. J'étais dans le déni, j'étais là, c'est pas possible. Du coup, je l'ai à la fois très mal vécu, et à la fois, je me suis dit, c'est une révolution. Dans l'univers de la série télé, si on peut tuer le protagoniste comme ça. Bonne question. Euh, je sais pas pourquoi, je vais dire Don Draper. Alors que c'est certainement pas du tout la bonne personne avec qui partir. Mais euh, moi, j'étais hyper séduite par Don Draper. Je le trouvais brillant. En plus, j'avais fait des études de communication et de pub. Donc c'était un moment, je pense, que j'avais une connexion avec lui. Le père dans succession. Parce que il est horrible. Il est... En fait, il concentre tellement d'émotions négatives. Et je me demande si Jaime meurt, si la série va survivre à sa mort. Alors je dirais Game of Thrones. Il y a vraiment du drama familial, il y a de l'action, il y a du fantastique, il y a de la romance. Donc je trouve que c'est un peu une série totale. Ouais, je dirais Game of Thrones. J'assume, mais c'est Bridgerton. C'est Midinette à mort, mais c'est hyper bien écrit. C'est une série très feel-good, très positive, une série un peu doudou. Euh, bah, Ross et Rachel, évidemment. Pareil, il y a un côté un peu fondateur. Euh, à l'adolescence et dans l'enfance, de voir ce couple qu'on idéalisait à mort, euh, parce qu'on était jeunes et tout, on voulait tous être Ross et Rachel. Indubitablement The Wire. Euh, moi, j'avais vu les... Les saisons 1 et 2. Après, c'est exceptionnel, mais c'est vrai que c'est lourd à regarder. J'ai jamais réussi à binger cette série, par exemple. C'est après un épisode, on se dit, waouh, c'est pas du tout divertissant. Euh, c'est vraiment, on a l'impression de faire un peu un travail de documentation, mais c'est passionnant. J'ai adoré, mais ouais, c'est un peu celle qu'il faut avoir vue, ou moi, je me cache toujours un peu pas avoir vu les saisons d'après. Donc oui, je te laisse et euh, on lui a volé son manuscrit, parce que ça se passe au début du XXe siècle, et le tournage a lieu dans deux jours. Et il faut absolument qu'il retrouve la personne qui lui a volé. Et on découvre que c'est le réalisateur, parce qu'il veut faire croire que c'est lui qui a écrit le film. J'ai eu un moment de vie de dilemme, où j'étais en Écosse et je faisais de la diplomatie. En fait, j'étais political attaché pour le Consul Général de France à Édimbourg. Et j'ai eu l'occasion de rentrer pour travailler sur un film. Et j'ai hésité énormément parce que la diplomatie, c'était génial. <laughs> Je pense que j'aurais essayé d'être diplomate.